Regarde ça, regarde, incroyable. Regarde la mer. Elle est rouge, regarde. Regarde tous les petits poissons qui sautent. Incroyable. Je sais pas combien de dauphins il y a là. Il y en a au moins 30. Regarde. C'est la mer qui vit la nuit. Je crois qu'il est minuit, on vient de me réveiller. Bon, ça valait le coup. Regarde des petits poissons partout là. Des niptophidés, ils s'appellent. On dirait de la braise sur la mer. Ils viennent sûrement s'en nourrir parce qu'à chaque fois ils viennent dès qu'ils sont attirés par. Dès que t'en as une concentration, ils viennent. C'est magique en tout cas, de nuit comme ça. Ouais, tout au bout là-bas. Gibraltar est à une heure à peu près maintenant. Là. Et là, on a un dernier spectacle de la Méditerranée. Une farandole de poissons. Je pense que c'est leurs yeux qu'on voit là. Et dès que les dauphins arrivent, il y en a des milliers qui sautent. On le voit, tu vois, quand ils sautent là, hop, ils ouvrent la bouche. Dans le filet ce soir. On a plein de poissons qu'on appelle des myctophidés qui nous sont très utiles pour voir en fait si on va trouver des microplastiques à l'intérieur de leur estomac. C'est des poissons qui vont migrer la nuit et qui vont monter à la surface pour se nourrir de plancton. Donc nous, ce qu'on veut savoir, c'est justement est-ce que aussi ils vont confondre le plancton avec les petites particules de plastique et pour voir si du coup ça va rentrer dans la chaîne alimentaire. Donc on récupère ces myctophidés. Et ensuite, en laboratoire, on va les disséquer et regarder si on va trouver des particules de plastique dans les tissus.